Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo du TYT MD380. Donc ça fait un an que je l'ai, je viens de le flasher. Donc, je vais vous montrer vite fait. Voilà, donc un petit logo, on a mal vu, mais voilà. Donc dans les menus, je vais vous montrer vite fait. Donc dans les menus, alors qu'est-ce qu'il y a de beau? Qu'est-ce qu'il y a de beau dans les menus? Alors, on va regarder ça tout de suite. Il y a ça, MD380 Tool, que je n'avais pas avant. Voilà, donc voilà, quelques modifications. Je vais vous montrer bien sûr la version. Alors, la version, voilà, la version. Donc la 1.29, voilà. Donc, firmware alternatif, hein, donc bon, il y en a d'autres, hein, bien sûr, qu'on peut trouver. Voilà pour les petites infos, donc les amitiés à vous, hein, bien sûr 73. Voilà, bon, ça fonctionne. Alors après vous dire, je viens de l'installer, donc je peux pas vous en dire plus. On va le rallumer éventuellement pour que vous voyez un peu mieux. Voilà, je rallume. Alors le nom, voilà, on a vu vaguement. Voilà, 73 à tous et à bientôt pour une petite vidéo de démonstration. Donc je vous ai déjà montré vite fait ce que c'était. Voilà, alors je vous montre vite fait là. 1 2 3 test, 1 2 1 2 3, 1 2 3 test. Donc Benjamin, c'était à l'écoute, c'est une petite vidéo, voilà. Donc ça s'est coupé, voilà. Donc 1 2 3 test, appel en digital mobile radio public. Donc une petite barre de modulation là sur le TYT. Voilà, 73 à tous, à très bientôt.